Donc Morgan, allez, Iden, et juste aujourd'hui, la Nishmat, François, Benjamin Hanal, Janine Rubin, Batfortuna, Mazal Fritna, Claude, Shlomo, Ben Shalom, et Sharia, Ben Linda, si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles, nous étions Maserhet Pea, Perek, Bet, Mishnah, Vav, Maase, Shazar, Rabbi Shimon, Isha Mitzpah, Lifnei, Rabban, Gamliel, Ve Alul, Lishkat, Gazit, Ve Shalou, Amar Nahum, Alavlar, Mekubal, Anime, Rabbi, Miyasha, Shikibel, Meaba, Shikibel, Minazugot, שקיבלו מן הנביאים, הלכה למשה מסיני, באזור הצדהו. שניהם מן החיתים, עם הסנגרן אחת, נותן פאה אחת, שתי גרנות, נותן שתי פאות. On a une Mishnah qui vient compléter la Mishnah précédente, je vous ai déjà souvent fait remarquer que je ne sais pas qui a coupé les Mishnayot là dans ce chapitre-là spécialement, c'est violent. On a des sujets qui sont coupés en plein milieu, on a la Mishnah d'après qui continue la suite. C'était coupé entre deux Mishnah, pour nous ça va nous faire un cours pour chaque jour, alors que ça répète exactement la même notion. En l'occurrence, on revient sur le cas d'hier, je rappelle la Mishnah précédente. On avait appris que quand chaque champ a été imposé de laisser une PA, tu ne laisses pas d'un champ sur l'autre. Ça, c'est la généralité de tout le chapitre. Dans la Mishnah précédente, on avait appris que si tu fais une seule espèce, mais tu veux considérer que de deux manières, et même la laisser planter une plus longtemps que l'autre, malgré tout, tu laisses une PA pour tout. Si toutefois tu plantes deux espèces que tu veux considérer comme une seule PA, chaque partie, elle est imposable d'une PA. Et on avait appris que si toutefois tu as une espèce où il y a deux sous-catégories plus nuancées, alors tout dépend de ton intention. En l'occurrence, il y a du blé blanc, du blé rouge. Si tu considères tout ça comme du blé et tu cueilles tout en même temps, alors tu peux laisser une PA sur l'autre. Si toi-même tu les considères comme deux, parce que tu cueilles le blé blanc, tu le mets ici, le blé rouge tu le mets là-bas, tu vois selon le business, concrètement, où c'est que c'est mieux, où ça va être mieux vendu. Alors dans ce cas-là, toi tu les considères comme deux, tu dois laisser une PA pour chaque partie distincte. Sur ça, on va avoir maintenant un témoignage que c'est effectivement la halakha. Il n'y a rien de plus dans notre Mishnah qui va nous dire « Maase Shazara ben Jerban chez Rabbi Shimon ». À l'époque de Rabbi Shimon Isha Mitzpah, un homme de la Mitzpah, un endroit qui s'appelle Mitzpah, « Lifne Rabban Gamliel », il était lui devant Rabban Gamliel. Donc il y avait Rabbi Shimon Isha Mitzpah devant Rabban Gamliel, et lui, il a planté deux sortes de blé. Et il est parti demander à Rabban Gamliel, mais est-ce que je vais laisser une PA pour les deux ou une PA en général pour chaque partie? Vealou l'Ishkat Agazit, ils sont partis au l'Ishkat Agazit, au Betamikdash, là où il y avait les grands Dayanim pour trancher la Lachot. Veshaalou, ils ont posé la question. Et là-bas, il y avait Amar Nahum Alavlar, il y avait Nahum le scribe du Betdin, qui leur a dit, mais Kouba l'anim et Reb Meyasha. Moi, j'ai une transmission depuis Rabbi Meyasha, qui était le Dayan juste avant. Chez Kibel Mehaba, qui a reçu de son père, qui était le même Lav Bedin. Chez Kibel Minazugot, qui a reçu des pères. Vous savez quand on étudie Pirkei Avot, dans le premier chapitre. Alors il y a Yohanan, j'ai oublié leur nom, quoi, Yossi Ben Yozer, Yossi Ben Yohanan, et il y a Shmaya Veaftalion, et il y a Hillel Veshamay. Tout ça, on regarde qu'ils sont des Zugot. Comme si la Torah était transmise, il y avait toujours un Bedin et un Assi. Et donc, c'était la transmission, elle était faite comme ça. Donc, là, il d'un la blague, on dit, moi, j'ai un témoignage de Rabbi Miyasha, qui a reçu de son père. Qui a reçu des Zougot, qu'eux-mêmes ils ont reçu la Torah de qui? Ils ont reçu la Torah des Nevi'im, qu'eux-mêmes ont reçu la Torah des Zgenim, et les Zgenim depuis Moshe Rabbeinu, donc, Mekubal Anim et Rabbi Meyasha, Shekivel Me'aba, Shekivel Mena Zougot, Shekiplo Mena Nevi'im, qu'on a une halakha de Moshe Messinaï, qu'une halakha qui a été transmise à Moshe Rabbeinu, oh, alors Sinaï, Bezoread Sadeu, Shnei Minei Chitim, que celui qui va planter son champ avec deux espèces de blé, que tout dépend de son intention. S'il le cueille tout en même temps avec intention de faire une seule grande grange, eh bien notre PA il devra donner une seule PA uniquement. Par contre, jeter granot, s'il va vouloir faire deux granotes, deux granges, les distinguer entre les deux, et dans ce cas-là, notre PA, il devra donner une PA pour chaque espèce indépendante qu'il a fait pousser chez lui. D'accord? Et c'est tout pour lui, c'est une pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.